Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ludovic 59820. Si vous êtes sur cette vidéo-ci, c'est que vous avez déjà vu la première vidéo. Alors, je vous présente plus le jeu Guessware Challenge. C'est où je me trouve dans le monde. Alors, moi, vous allez voir, je joue en mode très, très, très hard. Très difficile, pardon. En très, très, très difficile. Alors, je fais une new game. Écoutez bien. Je suis en très très difficile, donc mon score il va pas être mirobolant. Hein. Donc je prends le D, c'est au hasard, World, je me mets en HD, ensuite je me mets sur du 4 minutes, sur du 4 minutes maximale. J'ai mis 4 minutes maximale parce que la vidéo, je veux pas que la vidéo elle dure une demi-heure. Déjà que je suis pas très très fortiche en ce jeu là. Vous allez voir, hein, j'arrive à me diriger un tout petit peu, mais je fais des scores de fois de temps en temps. Allez, c'est parti, je lance la game. Alors, je suis sur une autoroute. On dirait une autoroute française déjà. Alors, bon, faites pas comme moi une marche arrière, c'est ridicule. Ah oui, d'accord. Ok. ah oui. Faire demi-tour sans... Ok. Pas très fut. Hein. J'aurais peut-être dû aller en marche avant, ça aurait été mieux. Pourquoi ça marche pas? Voilà, ici. Alors, faut que je me mette dans une 4D. Ok, j'avance toujours. Mais c'est quoi ce délire? Non, je suis le Kindleberg. Alors, c'est pas forcément en France, c'est un panneau européen, c'est sûr. C'est une aire de repos Kindleberg. Le Kindleberg, alors c'est soit belge et il y a un N, on dirait néerlandais. Bon, bah, je vais avancer. Alors, DSV, c'est as. On en trouve, ouais, de toute façon, on en trouve partout. Allez, je continue. Je suis déjà à 1 minute 16. Ah non, il me reste 1 minute 12 pour trouver le d'où que c'était. Ici, non. Ah. Zut. Oh, j'ai un panneau bleu, j'ai une petite chance. Ah, ça va, je vais assez trouver. Ah, je pourrais trouver à peu près où c'est. Alors là, j'ai une. Hop. Le Vincentsberg. À Roupe. Le Vincentsberg.
Wow. Oh, c'est chaud le rico. Alors, hop. Sanderso. Sparat. Oh. Overtime, donc je peux plus. Donc je suis obligé de donner un truc. Donc je sais que c'est... Ah, j'ai purée, j'ai 0 points. Bon, bah j'ai été un peu trop long. Donc j'aurais dit, à la rigueur... allez, je pense que ça aurait été ici. Mais bon, je peux pas avoir la réponse. Dommage, j'aurais jamais la réponse, c'est dommage. Middlebourg, ouais, ça doit être un truc comme ça. J'ai mis un peu trop longtemps. Non. D'habitude, j'aurais pu répondre, hein. J'aurais dû répondre avant. Vilka Viskis. Alors, Vilka Viskis, c'est... ça ressemble à du viking. Alors ça peut être l'Islande, ça peut être le Danemark, ça peut être la Norvège, la Suède. Bon, on a intérêt d'aller vite. Hop, hop, hop. Là, ici. Kai Bartey. Moi, excusez-moi, j'appelle ça du Kai Bartey. Kai Bartey. Alors, Kai Bartey... Ah, j'ai une information. C'est Lituanie. Ah, j'ai le drapeau de la Lituanie. Alors, mais où ça se trouve ? Ah, je sais déjà que c'est en Lituanie grâce au drapeau lituanien. Auto d'Alice, K8, Q8. Ah, ça, c'est l'essence. Et le drapeau de Lituanie. Bon, bah, allez. Lituanie. Alors, Lituanie, lui. Lituanie, c'est ici. Vénus, Kosnas. Radviskaslich, Trakei, non, c'est pas ça. Alitus, c'est Mazakei, Palanga, Punugei. Siloté, Venta, Kunosei, Siloui, non, c'est... Ah bah tiens. Alors si je me trompe, là je me trompe d'une centaine de kilomètres. Radvilaskis, allez hop. C'est mon dernier choix, oui. On verra que ça donne. Ah, j'ai fait une erreur de 123 km. Donc, c'était plus proche de... Ah, je me suis trompé, c'est Vilkasviskis. J'ai fait une erreur de 123 km. Si j'ai dit que ça faisait une erreur de 100 km. Tu vois, quand même. Ouais, j'aurais dû couper avant. Alors, oula.
13. Warning. Wow. Les écritures sont pas géniales, géniales. Il y a de l'anglais. Est-ce qu'il n'y a pas un panneau plus précis? Alors là, je sais pas, je suis obligé de faire. J'ai pas compris pourquoi ça fonctionnait pas. Ah, j'ai une indication. Très primordiale. Vauxhall Cross. Ah, je suis en Angleterre. Alors ça, Vauxhall Cross, je sais que je suis en Angleterre. Bah, je suis à Vauxhall Cross. Donc, indication très importante. Vauxhall, c'est en Angleterre, c'est Vauxhall, je dis pas de bêtises. Ouais, je suis sûr que c'est en Angleterre. Est-ce que c'est Londres? Ah, je fais peut-être une erreur. Vauxhall, non, Vauxhall, c'est en Angleterre, c'est sûr. Watford. Cambridge. Oxford, Vauxhall. Oh, Vauxhall, c'est où ça, Vauxhall? Mince. Je sais que c'est en Angleterre, mais alors là, je suis sûr que je... Blackpool, Bristol, Yet, Bath, Newport, Gloucester, Worcester, Holy Hull, Rugby, Leicester, ah tiens, Nottingham. Non, c'est pas ça, Derby. Bradford, Leeds, Harrogate, Preston, Wigan, Saint-Hélène. Je vais le situer près de Leicester, mais je suis pas sûr que c'est ça. C'est peut-être Londres. Attends. Londres. Wembley, Watford, Twickenham, Burnley, Harlow. Hop. Oh, j'ai fait une erreur de 17 km. Oh my god. Hein? Zéro point. Et même pas... Oh non! Même pas accordé! Ah, c'était long. Ouah, je suis même pas accordé celle-là. Ah, vérification vidéo, franchement. Ah si, ouais, non. Ouais, j'ai 18 000 points, mais il est accordé sur le truc. Donc, suivant. Troisième étape, quatrième étape. Non, même pas. Ils m'ont accordé que le quatrième. Bah, le dernier, ils m'ont pas accordé. 17 kilomètres. J'ai fait un record de 17 kilomètres. Et en fait, ils m'ont pas accordé le dernier round, en fait. J'ai peut-être été trop vite. Ah, mince. Bon, bah, voilà. En 15 minutes, à peu près. Fini.
Bon ben finalement, je l'ai fait en 15 minutes parce que le dernier, il a été tellement rapide. Je ne devais certainement pas avoir suffisamment de points. Allez, je vous dis salut, bye bye. Alors c'était la fin de vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Bon, je vous présente ici parce que moi, c'est mon décoration. Ou en bas de la ligne rouge. De vous abonner pour voir les vidéos à venir et anciennes, si vous voulez, si ça vous a plu, bien sûr. Allez, je vous dis salut à tous.